Et les cheveux au vent. Avec vous. Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les petits-enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains et tu disais, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et leurs anges voient sans cesse la face de mon Père. Nous t'en prions. Tourne ton regard vers l'innocence de ses enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur ta bénédiction. Qu'ils grandissent constamment dans ta grâce. Qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'adorer. Et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La chorale, un chant. Mon Dieu, je me donne à toi. Thank you.
Le couple Aké, qui fête, nous le rappelons, 10 années de mariage. Thank you.
pouvons secouer dans le nom du Seigneur. Nous te louons, te bénissons, du Créateur de tout, toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce aussi pour Aké et Nelly, dont tu as donné béni l'union, pour en faire l'image de l'union du Christ et de l'Église. Regarde-les aujourd'hui à l'épanté, et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour, à travers joie et peine, ne cesse pas de maintenir l'alliance au moment de leur amour, affermi, mais dans la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. De la souche d'arbre. Tous les papas. De l'oratoire et d'ailleurs, tous les papas. Un poème vous est dédié. Tous les papas. Tous les hommes. Tous les papas, j'en vois encore qui sont dans l'assemblée. Tous les papas. Ce poème est désigné à tous les papas. Aujourd'hui, cher papa, je t'écris pour te dire que je t'aime et que je suis fier de tout ce que tu as accompli. Tu es et seras toujours une source d'inspiration et un modèle pour moi. Les mots me manquent pour exprimer ma fierté et mon amour pour toi. Je te remercie du fond du cœur. Je t'aime, papa. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Père tout-puissant, toi qui nous cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tes victoires. Et évidemment, pour tes serviteurs ici présents, de ma souche de Dieu, mère de la chrétienne. Nous te prions humblement pour ce que tu as soutenu dans ta bonté. Protège le Seigneur
Garde-les, Seigneur. Donne-leur la sagesse nécessaire dans leur vie. Fortifie-les. Garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voudrons dire merci à nos pères. Et dans père, il y a père. Derrière village, il y a village. Ce sont nos encadreurs, nos confesseurs, nos guides spirituels. Ils ont été là avec nous durant toute l'année pastorale. Aujourd'hui, dans tout le diocèse d'Abidjan, nous clôturons les activités pastorales. Et parmi tout le lot, les prêtres qui viennent ici, quatre sont avec nous aujourd'hui. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Et chez le Seigneur, en toutes choses, on rend grâce. Nous avons reçu gratuitement, nous voulons donner gratuitement à nos pères.
Je vais vous demander de les ovationner, nos prêtres. Au niveau de l'oratoire, il y a une petite force spéciale. Elle s'appelle les Sœurs de la Charité. C'est la petite force qui soutient mon Chantal dans le secret. Et aujourd'hui, nous avons prévu des petits papiers pour les prêtres. Donc nous allons leur remettre au nom du couple Magui, au nom de responsable de l'oratoire, Ali Ouattara Jean-Philippe, au nom de tous les enfants de l'oratoire Marie-Mère de la Charité Chrétienne, nous venons humblement leur remettre ce petit paquet en signe de reconnaissance, Padre. Que vos différents sacerdotes soient fructueux, qu'ils soient glorieux, qu'ils soient zélés et qu'ils soient violents pour faire face à tous les tsunamis, aux vents croisés, aux vents. À tous les courants de vent. Amen. Je demande aux sœurs de la charité qui sont présentes. À chaque père de s'élever, le père Ouchon, pour recevoir son petit papier. Marie-Mère de la Charité Chrétienne, merci de ton visage. Le père Poutari. Le père Bernard Noumé se prépare. Et le Père Évariste se prépare également. On va les applaudir une fois encore. Merci à nos pères spirituels. Que Marie-Mère de la Charité Chrétienne se souvienne de chacune de vos sémences. Que vous le rendez en grâce et en bénédiction. Maintenant, j'arrive aux vétérans. Ce sont les pionniers. Ils étaient là au début. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné de leur vie. Il y en a qui ont oublié qu'ils étaient des époux. Il y en a qui ont oublié qu'ils avaient des enfants pour servir Marie-Mère de la Charité Chrétienne. Ils sont encore présents. Et dans notre action de grâce au Seigneur, nous ne pouvons pas ignorer ce qu'ils ont fait. Le papier qu'on leur remet est trop petit pour la semence qu'ils ont fait au niveau de l'oratoire. Je vais les appeler. Papa Florent, merci de l'applaudir. Papa Ismaël, je l'appelle le dinosaure. Il est celui qui est sur tous les terrains, qui va faire nos purifications. Il est fatigué et il est toujours là. On l'applaudit s'il vous plaît, merci. Papa Georges Esso. Lui c'est le dernier des dinosaures, le dernier mohican. Le dieu cave. Le dieu cave de Padre Pio. Papa Clément, je l'appelle Monsieur Clément. Il est le seul qui corrige tout le monde. Papa Alain Makwa. Le King. Le King. Son escorte l'accompagne. Lui, il a été mon enseignant. Il a été mon encadreur. Il est celui qui me dit ce que tu as fait là, c'est pas bon. Faut recommencer. Il est violent, il est zélé. Parce qu'il aime les bonnes choses. Lui, c'est Papa Péco. Je voudrais qu'on l'applaudisse.
Il a donné de son temps, de sa vie à l'oratoire. Il mérite qu'on l'applaudisse énormément. Le dernier, c'est Papa Didi. Il ne fait pas partie des vétérans, mais on l'appelle à cause de la force de son cœur, cette charité que Marie-Mère de la Charité Chrétienne nous enseigne. Il m'a approché, il m'a dit, Nathalie, nous sommes vieux, nous ne pouvons pas nous mettre en rang pour aller manger. Nathalie, chaque fin de mois, je vais te donner un petit quelque chose que tu vas préparer pour les papas. Ça, ça s'applaudit. Cette dimension de charité s'applaudit. Lui, c'est Papa Didi. Donc voici les vétérans. Il y en a d'autres. Il fallait choisir quelques-uns en fonction de leur ancienneté. Et les voici qui sont là. Papa Florent, c'est celui qui frappe tout le monde. Là, il entend, il me dit, tu vas me frapper encore. Donc, on applaudit les papas. On les applaudit. Vous pouvez récupérer vos petits papiers. Passez devant. Pas dans vous allez vous retourner et faire face à Marie et la charité chrétienne pour récupérer vos petits papiers. Non, 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 c'est ici. Non, c'est ici. Ayo, 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 ayo,
l'amour qui a été avec ma vie. Comment regagner nos places? Le meilleur pour la fin, le meilleur des papas qui nous ont quittés, les meilleurs papas qui nous ont quittés, qui sont aujourd'hui nos anges gardiens. Nous les avons dans nos cœurs, nous les portons en prière. À l'annonce de leur nom, on va applaudir. C'est papa Erika Jean-Jacques. Monseigneur Agré, Monseigneur Pierre Barthélemy. Merci à tous et à chacun que le Seigneur vous bénisse. Merci à la sœur Nathalie. À présent, nous appelons tous ceux, toutes les personnes qui sont en action de grâce en ce jour au pied de la souche d'arbre. Avant ça d'abord. Et en ce moment, je voudrais appeler ici Rebecca, qui célèbre son anniversaire. Rebecca. Rebecca. Non, je demande. Si. Elle est au fond là-bas. Non, elle. Alors. Toutes les personnes en action de grâce au pied de la souche d'arbre. Dans le nom du Seigneur. Et les neuf autres ne sont-ils pas guéris? Tu es le seul, toi le Samaritain, à venir dire merci à Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Dieu éternel est tout puissant. Voici tes enfants, tes fils et filles, autour de ta mère, celle que tu nous as donnée pour nous délivrer des captifs et des assauts du mal. Marie, mère de la charité chrétienne, ils viennent te rendre grâce parce que tu as accompli par elle une grâce, un bienfait dans leur vie. Point de farine ne finira dans cette vase, point d'huile dans cette bouteille. Accorde-leur grâce après grâce, succès après succès, félicité après félicité, pour ta plus grande gloire et le salut de l'humanité par Jésus. Le Christ, notre Seigneur. Oh,
L'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne a le regret de vous annoncer le rappel à Dieu de l'enfant soldat, Bagnan Liliane. Les obsèques ont déjà eu lieu le vendredi dernier. Un rappel à Dieu aussi pour le père de notre sœur Marie-Ève Coadio. Nous sommes donc en union de prière pour le repos de leurs âmes. Rappel. En vue de la prochaine veillée pour les défunts du mois de juillet, prière inscrire au secrétariat le nom des parents défunts. Les astreintes du mois de juillet. La permanence pour le lundi, le matin, Marie-Joseph. L'après-midi, Kwasi Blandine. Le mardi 9, Kwame Marie-Chantal et Suzanne Kwame. Mercredi, Michel Kwame, Gaumont Dominique. Le jeudi, Ndé Adoujan et Anne Eba Edmond épouse Trabi. Et le vendredi 12, le matin, c'est Keita Marie-Vivienne qui est de service. Ensuite, l'après-midi, Adico Paulin. Nous rappelons juste après la messe que nous ferons la neuvaine, le troisième jour de la neuvaine à l'arbre généalogique, juste après la messe. Centre de service, le conducteur aisant à Mont-Marcel André, les mains innocentes, Kiki Loura, sœur Marie-Grâce. Et pour la récitation des dizaines, Coadio Marie-Ève, Dibeu Catherine, Fofier Yvette, Coné Maëva et Django Vanessa. Juste après le renvoi.
Amour, avant que nos pères viennent vraiment clore cette action de grâce, nous voulons, avec notre petite fille ici présente, à l'endroit de nos pères, disais-je tout à l'heure, qui nous aident à grandir dans la foi. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont le nombre qui sont là. Mais avant que nous leur passions la parole, parce que durant toute l'année, ils nous ont épaulés, ils nous ont écoutés. Ils ont même essuyé nos larmes par moments, quand nous sommes allés vers eux pour des écoutes. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Nous sommes en fin d'année d'études pour certains, de séjours pour d'autres. Donc, nous voulons simplement leur faire la charité. C'est notre Père créateur, Dieu, qui nous adresse. Donc, juste prendre la belle voix et aussi notre fille pour leur adresser en ce jour les pères, ce qu'elle a prévu. Nous appelons la charité du peuple de Dieu, de tous les pèlerins qui sont présents. Vous avez vu le nombre impressionnant des enfants qui étaient présents là aujourd'hui. Voilà, si nous voulons continuer à leur donner des friandises, des petits biscuits, nous devons faire parler notre cœur. Voilà, pour qu'en descendant les marches, ils s'orientent vers nos patriarches là-bas plutôt que de sortir de la place. À présent, cher Père, la parole est à vous. Vous allez dire qu'on vous connaît suffisamment, mais aujourd'hui est un jour spécial. Chacun viendra avec la spécificité de sa voix. Quand on entend, on sait que ça, c'est le Père Boukari. Quand on entend, on sait que ça, c'est le Père Bernard Lemain, le Père Évariste et le Père Michaud. Voilà. Avec la permission des confrères, et on va terminer par ça. Les pères vont se présenter après. Je voudrais d'abord demander à tous ceux qui sont venus pour la première fois dans cet oratoire de se lever, je vais voir. Ceux qui viennent pour la toute première fois. Venez. Approchez. Là pour c'est Cécilien de Saint-Jean. Ouais. Venez. Non, venez là. Je voudrais, devant la souche de la Mère du Ciel, Marie, Mère de la Charité Chrétienne, confier chacun et chacune de vous, vos familles, vos projets, votre chorale et que son manteau virginal vous couvre
et vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous avons tous participé à cette belle animation, de la chorale cécilienne de Saint-Jean. Le feu Nyasimbe Yadémon, président du Togo, quand il se rendait en voyage quelque part et il trouvait de belles choses, il avait un de ses escortes très proche de lui qu'on appelait Apo. Il regarde derrière, il dit Apo, ça à Pia. C'est-à-dire, Pia, c'est le village natal de Nyasimbe. Donc, quand c'est pour, il dit à Pia. Quand il est allé chez Mobutu, il a vu pour la première fois l'animation. Il dit Apo, ça à Pia. Et l'animation est venue au Togo. La cédale de la chorale, ça à l'oratoire. Ça à l'oratoire. Vous avez constaté la différence. Hein, vous avez constaté la différence. Ils ne sont pas en nombre numérique. Mais grâce à ces instruments, c'était bien. C'était bien. Et c'est pour la première fois dans cet oratoire de voir Théo assis avec des casques pour être à la partie technique du salle à faire. Un bon pour la chorale, un bon pour la chorale. Quand il s'agit de demander de l'aide, J'ai souvent honte. Mais je vais essayer de surpasser ma honte. Pour, non pas pour épuiser vos économies, hein, mais je connais bien cette chorale. Je les ai déjà prêché une récollection. On a échangé beaucoup de fois. Et puis nous intervenons à Saint-Jean, on se connaît. Je connais leur réalité. C'est une chorale qui a été fondée par le papa de Pierre Aké. Vous voyez, il est le fondateur de cette chorale et c'est pour cette circonstance qu'ils sont venus honorer son fils et sa belle-fille, Nelly. Moi-même, je suis l'urne. Je vais prendre le panier, je vais rester devant. Le 5 francs qui vous reste, vous me donnez. Et je vais faire dans une enveloppe pour remettre à la chorale. Parce que je connais leurs besoins. Ils ont beaucoup de besoins. Et en repartant, qu'ils soient joyeux pour revenir une autre fois ici comme fils et fille de Marie, mère de la charité chrétienne. Les quêteuses, donnez-moi le panier. Avec la permission des pères concélébrants, bien sûr. On s'est déjà concerté. Vous donnez des chants où moi-même, le quêteur, je peux chanter quoi? Et danser. Thank you.
Merci, que le Seigneur vous bénisse. À présent, les pères vont se présenter, ils vont donner leur nom, leur pays d'origine et ce qu'ils font ici en Côte d'Ivoire. La charité bien ordonnée commence par autrui. Paix et joie. Amen. Charité. Amour. Amour. Charité avec Marie. Merci. Moi, je suis Père Évariste, Jean-Louis Dano. Je suis Burundais, en Afrique de l'Est. Je suis ici à Côte d'Ivoire il y a 4 ans. Je suis étudiant à l'UQAO et je fais la philosophie. Merci. Oui, on me demande de dire que je suis doctorat, mais c'est la grâce de Dieu. Et je remercie aussi Marie-Mère de la Charité Chrétienne pour le bienfait reçu de sa part tout au long de cette année. Merci beaucoup. Amour. Bernard Lomètre Thomas, de nationalité togolaise. Je suis dans ma 5e année ici, 5e et dernière année. Je joue prolongation peut-être jusqu'à début novembre. Je suis étudiant contrôle, audit et contrôle de gestion, master 2. Donc, c'est en train de préparer la semaine. Et si j'ai quelque chose à ajouter, c'est par rapport au texte de ce jour. Dans la première lecture, il est question du prophète Ézéchiel. Nous avons vu sa mission. Malgré qu'il savait que ce n'était pas facile, le Seigneur lui a demandé d'aller l'utiliser. Dans la deuxième lecture, Saint Paul qui a rencontré pas mal d'humiliations, des difficultés, des faiblesses. Et dans l'évangile, Jésus qui a été rejeté dans son village natal par ses parents. Et nous sommes ici rassemblés par le Seigneur sous la soupe de notre mère, la très sainte Vierge Marie, mère de la charité chrétienne. Nous sommes appelés à être des apôtres, des prophètes d'ailleurs, des prophètes. Il s'agit de la prophétie. Les prophètes, nous connaissons tous.
La mission du prophète, c'est annoncer, dénoncer et consoler. Et c'est sûr que certains d'entre nous déjà ont eu à rencontrer des humiliations, des refus, des rejets. Et ce à quoi je vais nous inviter, c'est de ne pas se décourager. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission du Christ. Ce que nous avons à faire, c'est d'annoncer. Si les gens veulent changer, se convertir, nous le ferons. Donc, il ne faut pas qu'on soit découragé parce que, bon, de temps en temps, quand on vient à l'oratoire, c'est bondé de monde. Et parfois, nous constatons que c'est quelques heures. Certains se découragent, partent, d'autres viennent après. Donc, nous qui sommes là, tenons bon, quelles que soient les situations que nous rencontrons, quel que soit ce que les gens racontent sur nos dos, soyons là. Notre mère, mère de la charité chrétienne, elle est là pour porter nos prières, nos préoccupations, nos soucis à son fils pour qu'elle nous aide, pour que son fils nous aide à obtenir ce dont nous avons besoin pour rester fidèles à lui et surtout pour témoigner de lui pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Je suis Père Jean Boukari, je suis originaire du Togo, du même diocèse que le Père Bernard nous met. Moi, j'essaie de jouer les prolongations, mais je ne sais pas si c'est les prolongations qui se jouent contre moi. Alors, j'étais envoyé en mission d'études ici pour 3 ans, j'ai fini, et j'ai soutenu le 12 juin dernier. Alors, je suis en train de faire ma valise, et sous peu, je vais rentrer dans mon diocèse pour être à la disposition de mon évêque. Ben, je vous dirai officiellement quand est-ce que je pars. Je suis du diocèse de Dapon, au nord du Togo. Mes confrères m'ont demandé de me présenter. Et je m'appelle Ucho Yakou. Alors donc, c'est vrai que chaque fois, beaucoup sollicité, on se sent de soi malade. Mais voilà, je n'ai pas voulu venir, mais Marie-Mère la charité chrétienne m'a tiré, je suis là, très fatigué. Mais je dis aussi merci à la chorale, hein. Ils nous ont fait danser, mais moi, j'ai eu la chair des dindons, parce que c'était bon. Beaucoup de courage. Vous me direz, c'est beau la première chorale, mais je sais qu'avec vous, il en aura encore d'autres. Que Marie-Mère la charité te tient beaucoup de son manteau. Oh. Yakanasio. Avant de vous donner la bénédiction finale, je demande humblement à la chorale de nous donner un dernier morceau pour la Vierge Marie. Surtout le chant que l'administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Courtois, aime là. Elle a marché. Vous avez déjà chanté ça, non? Sur la lune, et couronnée d'étoiles. J'aime bien ça. Il faut nous chanter ça. On se met debout, après ça, c'est la bénédiction finale. Je suis la lune.
Bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout puissant, daigne répandre ta bénédiction sur l'eau, les chapelets, les croix et tous ces objets de piété que portent tes serviteurs et servantes en signe de foi. Que la présence de ton esprit dans leur vie éloigne l'adversaire et les protège continuellement par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, la quête faite pour la chorale de Saint-Jean a donné 113 200. 113 200. Alors, j'ai demandé au coordinateur de l'oratoire et de remettre ça à leur responsable. Après la messe et après la cape. 113 200. Je vous dis ce que vous devez faire avec. 100 000 dans votre caisse, parce qu'on en avait déjà parlé. 13 200, en partant, vous pouvez vous asseoir à l'Ocodrome pour prendre encore des forces avant de rentrer à Saint-Jean. D'accord? C'est la consigne. Même si le curé vous demande, c'est la consigne. D'accord? Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, oh Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, merci, merci pour tous tes bienfaits. Oh merci, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix du Christ, nous allons passer. Jaillit de mon cœur.